Les vacances riment souvent avec bouchons et ça risque d'arriver très prochainement sur l'autoroute du Nord. À partir du 27 juillet jusqu'au 28 août, l'A1 se fera une beauté. Les travaux auront lieu 24 heures sur 24 dans le sens Lille-Paris entre Léquin et Carvin. Malgré cela, le sens Lille-Paris conserve ses trois voies et l'autre sens sera privé d'une voie. Au programme, rénovation en profondeur de la chaussée, rénovation de l'échangeur de Seclin où passent 40 000 véhicules par jour, mais aussi construction d'une nouvelle bretelle à Vandeville. Actuellement, c'est la phase préparatoire. Les travaux se déroulent majoritairement la nuit. Ce sont les travaux d'élargissement, d'allongement de la bretelle de Vandeville. Donc, ce sont les travaux de préparatoire qui se déroulent en partie de jour et surtout de nuit, depuis le mois de juin et jusqu'au mois d'août au niveau de Vandeville. On a les mêmes travaux au niveau de la bretelle de Seclin. Donc ce sont des travaux d'allongement de bretelles pour augmenter la sécurité des usagers et augmenter la capacité de stockage des bretelles.